Bon, on va essayer de lancer ça. Et voir comment l'intégrer. Fonctionne ou pas. Alors, je vais lancer ça aussi sur Twitter. On peut me dire si ça fonctionne ou pas.
dernier petit réglage avant de voir ce qu'il se passe. Il y a Félix qui m'a rejoint. Coucou Félix. Bonjour, je suis en train d'attendre un petit peu le temps que tout le monde arrive et que tout se règle. Ça a l'air de fonctionner un peu partout. Nous allons pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue pour le déballage de la PlayStation Vita du First Bundle Edition disponible au Canada et aux États-Unis. Donc dans le First Bundle, on a quoi? On a la PlayStation modèle Wi-Fi ou Wi-Fi, une carte mémoire de 4 Go et le jeu Little Deviant. Une sacoche exclusive de transport. Le gros avantage étant surtout qu'il sort une semaine à l'avance. Donc, je vous déballe ça en direct. Vous attendez.
demander aussi Jean-Michel pour l'ouvrir, pour le trouver tout. Je ne l'avais pas encore fait. Ça. Qu'est-ce qu'on a dedans? Une autre boîte. Magnifique, n'est-ce pas? Dans cette boîte, on a la boîte de la PlayStation Vita, de la console en elle-même. L'avais mis un peu trop haute. Voilà. Nous avons les cartes à réalité augmentée. Non, 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 non. Voilà. Nous voici avec les six cartes qui sont une exclusivité de l'Occident, puisque le Japon n'y a pas eu le droit à sa sortie. Sympa pour nous. Alors, ensuite là, il nous propose de prendre un plan de garantie prolongé disponible depuis hier sur le PlayStation Store. On a quoi d'autre? Carte mémoire de 4 Go. Les cartes mémoire, elles sont vraiment toutes, toutes, toutes petites. Pour l'ouvrir, je sais même pas comment on fait encore. Peur de casser un peu la boîte. On a quoi? On a des éditeurs de Legend en version boîte complète. Et nous avons enfin la version sacoche de transport. Certains peuvent la trouver un peu grosse, mais elle est, moi je la trouve très correcte. Dans un joli cuir. Et à l'intérieur, donc nous pouvons ranger les câbles, carte mémoire et carte de jeu et la console. Une petite moquette partout, vraiment agréable au toucher, qui protégera bien la console. C'est parfait pour moi. Voilà. Déballer les plus importants, la console. C'est pas bien ça. Voilà. Je suis allé. Les cartes sont mal. Rien de chiré. Ce que l'on a à l'intérieur. Un guide de démarrage rapide en anglais. Guide de mise en route en français. Bienvenue dans le monde de PlayStation. Nous avons une prise secteur, c'est consommateur, on va brancher en USB le câble qui fournit avec. Voici le câble avec l'embout et l'embout USB qui se met dans la fiche. Notre morceau, je vais mettre donc ici pour l'alimenter. Maintenant, on va faire plus la belle unique de station vitale. La voici. Comme vous avez déjà pu le voir, la tester. Elle reprend le noir piano black de la PSP avec un écran vraiment magnifique.
Alors, pour l'allumer, nous avons ici le bouton power. Le slot pour la cartouche. Un port accessoire qui servira plus tard et dont on ne connaît pas encore ce qu'on peut brancher dessus. Les boutons volume plus et moins. Sur le modèle 3G, vous aurez en plus ici une encoche pour mettre la carte 3G. Et en bas, nous avons le port carte mémoire. Alors, on va d'ailleurs tout de suite ouvrir la carte mémoire. Très petite carte mémoire. Donc, on va l'insérer. J'espère pas me tromper de côté. Et bah oui. Bon, comme ça. Donc on va faire de ce côté-là avec l'écriture en bas. Et voilà pour la carte. En guise de jeu, donc j'ai eu en cadeau Little Deviant et Uncharted grâce à ma femme qui m'a fait découvrir la promotion de Best Buy. Voici les deux jeux. Évidemment, on va ouvrir Uncharted d'abord. Le jeu que les gens attendent le plus. Mais bon, sauf que la caméra. Encore plus sympa pour toi. On n'a aucune notice, juste la cartouche qui a sauté, très petite, la cartouche. Attention, on ne va pas la perdre. Comme je viens de le faire, nous allons l'installer. On le porte cartouche. Nous allons vivre en direct l'allumage. Oui, elles sont vraiment très très petites. Vais vous donner un petit exemple. Comparé avec un iPhone, c'est juste un peu plus gros qu'un iPhone. Vraiment. C'est une chose qui m'a choqué tout de suite. On va la brancher au secteur pour être sûr de ne pas manquer de batterie. Faut savoir qu'en Amérique du Nord, c'est du 110 W. Donc la prise n'est pas la même avec une petite plaque que l'autre. Comme j'ai vu sur certains sites, il faut faire attention de bien brancher la prise, à la brancher à l'envers, donc c'est toujours avec le site PlayStation sur le dessus, sinon ça ne va pas se recharger. Ça s'insère quand même, plus difficilement, mais ça s'insère. Quand elle se recharge, on a le petit PlayStation qui s'allume en rouge, juste ici. Ce qui est assez chouette pour la démarrer. On reconnaît le logo PlayStation. Oui, il y a un adaptateur secteur qui en fait make believe, tiens. Ça qui en fait se branche, c'est le câble USB qui se branche dans un adaptateur secteur. Avant de lancer, il faut remettre pour ceux qui
USB qui s'en sert à l'intérieur. Là, on peut paramétrer sa console. Impossible de le faire à partir des touches. Obligatoirement utiliser le tactile. Qui répond. Donc, très bien. Encore mieux que sur la tablette Sony, d'ailleurs. On va la mettre en français pour vous, mais je risque de la remettre en anglais. Rapprocher pour voir plus près. On peut pas brancher n'importe où l'USB. Je vais tester ça. J'aime bien les défis. Je vais tenter avec un ordinateur portable. C'est bon. Et il installe le périphérique. Effectivement, il se recharge pas. Donc, la question suivante. Là, après, on a le paramétrage du fuseau horaire. Configurer la date et l'heure. Donc, le 2 en février. Les dates sont à l'envers en Amérique. 15 février 2012. Et il est 14h24. Voulez-vous entendre ce que je fais de toi? Oui. Voulez-vous que je vous oui. J'enlève le temps du mètre, le mot de passe de mon réseau sans fil. Connexion en cours sur mon routeur Magui. Pour ceux qui connaissent Evangelion. Ah, d'accord. Et évidemment, nous voici avec une mise à jour disponible dès la sortie de la console. Grâce aux Japonais qui ont testé la console avant nous. Okay. Donc là, je tourne en boucle pour utiliser mon compte. Il faut d'abord que je fasse la mise à jour. Pas sauter cette étape. Tourne en boucle. C'est bien. Alors, on va éviter le contact de l'instant. Appareil, 1982. Tout toujours mieux. Ok. Voici à quoi ressemble l'écran de démarrage. C'est plutôt, j'ai déjà un compte japonais. Je l'utiliserai après pour télécharger la démo. Pour une petite vidéo de démarrage bien sympathique. Je vais la brancher sur terre. C'est pas encore de connecter les batteries. Passer cette vidéo.
moment. Bon, je le trouve vraiment là. Je suis capable d'aller sur les deux extrémités de mes pouces sans problème. Merci de prendre la clé. Est-ce que tu peux être compte de lancer l'application? Qui c'est le week-end de l'année pour lancer l'application? Donc, nous voilà dans le menu de base. Petites applications. Là, on a l'animation comme sur la tablette Sony. On trouve le trophée, l'application Store, la photo, mieux, un mieux, l'espace de bureau. Qui nous permet. Commencer à tester un peu les différentes fonctionnalités de la console. Parle plus fort. D'accord, je vais essayer de parler un peu plus fort. On entend mal, désolé. Ouvrir la porte. Là, par rapport au parleur. Les tours sont quand même petits, mais agréables au pouce, ainsi que les sticks. Là, ça nous apprend à utiliser l'écran tactile avant. On en a un aussi pour. On peut remarquer que l'écran répond vraiment très rapidement et parfaitement. Au toucher. C'est un peu comme ce qu'il y avait sur. Oui, désolé pour la caméra. Avec WePlay, c'est vraiment. Oui. C'est 35 secondes. Qui sont en face. Et voilà. Donc, ça c'était pour l'espace de bienvenue. Non, j'ai pas envie d'utiliser l'appareil photo. Ça, c'est l'espace de bienvenue. Pour fermer une application, simplement, ça sonne comme ça. Pour les trophées, comment cela se présente-t-il? Espace de bienvenue. D'accord. Certainement que je fasse comme cette mise à jour de la console. C'est le paramètre de la console. Non, je l'ai déballé rien que pour vous. Mise à jour système. Mise à jour VM.
film. Non, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Donc, comme tout le monde, on ne lit pas le contrat. Accepté, c'est la nouveauté de la version 1.60. On peut maintenant enregistrer des vidéos et l'application carte a été ajoutée à l'écran d'accueil, en plus de pouvoir donc enregistrer des vidéos avec la caméra. Mettre à jour. C'est quand même assez rapide, 60 secondes. Genre, folie argent, t'as vu. Ok, tout là. Ce qui est marqué. Que 18 secondes. Je vais essayer de répondre en même temps aussi sur Twitter. Tester la caméra. On va vous voulez qu'on teste la caméra? Aussi Little Deviant. Je suppose que lui non plus n'a pas de 10. Et non, toujours de la bestiole dessus. Le tout premier jeu PlayStation Vita. Voici 2 minutes pour l'installer, ça a pris plus de temps à le télécharger, à l'installer qu'à le télécharger. Là, 1 mégaoctet et Uncharted 60 mégaoctets. On a l'anglais et le français sur la jaquette. Obligatoire au Québec, à cause de la loi 101. Là, sur PlayStation 3, j'ai acheté Scatplane. On va pouvoir tester aussi le transfert. Vraiment la qualité. Vraiment super. Avant que ça se mette à jour. Avec le protège écran officiel. Deux films de protection, mais pas de chiffon pour nettoyer et rien pour l'appliquer. Obligé de sortir mon petit kit 3DS. Manier. Voilà. Ne pas me planter en l'appliquant. Il sera plus de comment le mettre. Toujours dans le grand comme ça.
Sephora. Mise à jour est terminée. Toujours des petits bouts qui sont. Qui fera donc plus tard parce que là il y a des petits bulles qui se forment et je déteste ça. Je conseille pas forcément celui de Sony l'officiel. Ah voilà, donc à jour. Quelqu'un tout à l'heure voulait qu'on teste l'appareil photo, donc je vais le tester. Oui, ce logiciel protège vraiment juste le côté droit. Et encore, même pas le côté droit, parce qu'en fait, je viens de m'apercevoir qu'il colle pas. Donc faut le retirer. Je suis un peu déçu. En fait, il protège vraiment juste l'écran. Donc là, on va aller essayer l'appareil photo. Là, c'est un millimélo. Vais la mettre dans le bon angle. Mélanger tout ça. Et de l'arnaque. Moi, j'aimerais bien voir la fonctionnalité avec la réalité augmentée. D'accord? Mais je crois que c'est une application qu'il faut que je télécharge en plus. On va essayer ça alors. On va essayer de vous trouver ça. Elles sont disponibles ou pas pour la réalité augmentée. Affaires du monde sont terrain de jeu. Là, ça me dit qu'il faut que j'aille sur PlayStation Store. Je vais appuyer sur le bouton. Voilà. Là, dans les applications.
uniquement les plans de garantie supplémentaire. Ça, c'est les jeux. Sa conjonction n'est pas prise, c'est parce qu'il a une démo. As-tu la démo jouable? FIFA, on nous parlait ce matin d'une démo, mais elle n'est pas disponible, la démo. C'est dommage. Visiblement, l'application n'est pas encore disponible. Pas d'application encore pour la réalité augmentée, c'est fort dommage. Si, je recherche. Ok, les accents sont là. Il n'y a pas encore les applications. Les Japonais n'ont pas eu du tout les cartes à réalité augmentée. On est les seuls à les avoir. Enfin, vous les aurez aussi en France. Mais au Japon, ils ne les ont pas eu du tout. C'est malheureux. C'est fini. Pas de prix, donc il va y avoir une démo qui va avec. Oui. Une démo. Tout sympa. Ça, c'est juste les jeux, malheureusement, donc il n'y a pas encore la réalité augmentée. Navigateur internet. Est-ce qu'il fonctionne bien? On va aller sur site PlayStation déjà pour voir. L'affichage est quand même assez rapide, même si on va voir bien. Accès à tout. Merci. Par exemple, je pourrais regarder la vidéo qu'on est en train de diffuser en même temps. Ça fonctionnerait. C'est du flash. Pour ceux qui se posaient la question, le flash ne fonctionne pas encore dessus. Pour fermer une application, on ferme la page comme ceci. Donc, je voudrais changer fond d'écran. Je pourrais. Il sera plus clair, celui du dessus plus foncé. Ce qui est assez sympathique.
Google Mes icônes, je peux faire également de même. Voilà, il suffit de déplacer avec le doigt pour déplacer les icônes. Hop, ça va changer de place. Oui, ceci, et ça fonctionne. Bon. Ajouter une page, la fermer. Hop, on revient. L'application NIR, qu'est-ce que ça donne? Donc NIR est une application sociale qui nous permet de voir si d'autres personnes aux alentours ont une PlayStation Vita démarrée, sont en train de jouer avec ou en train de l'utiliser. Mon identifiant. Et je vais enlever pour mettre le mot de passe, évidemment. Et voilà. Venir avec qu'est-ce qu'il y a, Pomo? Est-ce que ton frère a encore découvert que tu étais gay? Il est content, c'est ça? Ah non, t'as réussi ton problème de mathématiques. Ça laisse quand même des traces de doigts assez facilement. Il va falloir que je protège là assez vite. Non, ça va falloir changer mon mot de passe. Voilà. C'est étoile, 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 01. C'est gros B. GROSP. Bien sûr que j'ai lu et que j'accepte. C'est pas le plus gros mensonge qu'on sort à notre époque. Ça reprend un peu le concept que je trouve de Foursquare. Ici. Donc ça c'est uniquement quand on a un accès sans fil. Et ceux qui ont le 3G en fait ont accès à cette application là en permanence. C'est un des avantages de la 3G. Exactement comment ça fonctionnait. Donc là, comme on nous l'avait dit, on peut voir tous les trophées PlayStation Network. Fantasy Tracer, Rayman Origins. Tous. Ok, mais moi aussi je jouais à des jeux japonais.
pas le seul qui est habitué à jouer avec des jeux japonais, hein. Sauf que moi, je comprends absolument rien. C'était Macross Frontier. Bref. Ça, ce sont donc tous les trophées. Ça, c'est juste les trophées qui fonctionnent avec la Vita. Rayman est un Day One. Oui, ils sont tous sortis aujourd'hui. Je dirais tous les jeux à Best Buy. J'ai vu absolument tous les jeux Sony, les jeux Ubisoft et tous ceux qui devaient être disponibles au lancement. Est-ce qu'il y a chaud? Non, elle reste vraiment froide. C'est plutôt mes doigts qui chauffent que la console, mais sinon la console. La console ne chauffe pas. Je peux synchroniser les trophées. Pour revenir au menu de départ, on appuie toujours sur la touche PlayStation pour fermer l'application. En plus. Mais si, Jean-Michel, tu vas l'acheter. Regarde. On va lancer ça. Oh, le marché noir donc est disponible. Les fonctionnalités réseau ont été désactivées. Donc là, pendant qu'on joue à Uncharted, il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser le sans fil, on ne peut pas recevoir de messages, quoi que ce soit pour nier. Si on veut accéder au manuel du jeu, tiens, je n'avais pas vu ça. Le manuel est accessible en version donc numérique et non pas physique. En français. Accessible en plein jeu. Je peux faire une recherche internet, je peux aller dans le manuel du jeu. Quelle est cette icône? Les premiers jeux Vita n'auront pas de fonctionnalité multijoueur, ça dépend lesquels. Ça dépend vraiment lesquels, car par exemple, je sais que c'est lequel, c'est Marvel vs Capcom 3, lui peut se jouer en multijoueur. Wipeout peut se jouer en multijoueur aussi. Ah, la musique est toujours aussi. Les haut-parleurs sont quand même de bonne qualité. Par contre, c'est vrai qu'ils se cachent avec la main. Et puis ça c'est. Pour Uncharted, ils en parlent. Ils aimeraient mettre du multijoueur, mais faire une expérience. Faire une expérience qu'on n'a jamais connue. Peut-être une vraie des versions coop. Oui, il n'y aura pas de multijoueur en 3G. Parce que là, il y a la lumière aussi qui est directement en face derrière moi. C'est la. Derrière la fenêtre. Mais sinon, là tu vois, c'est quand même bien mieux. Mais comme ça, on voit plus, y a plus de reflets. Dans les options. Je suis désolé, mais Uncharted, ça se fait en anglais. Il n'y a pas de japonais d'ailleurs. Juste anglais, français, espagnol. Audio sous-titres. Là, ce que j'avais dit aussi, c'est qu'on ne veut pas sélectionner ceux qui sont sur les côtés. Il faut vraiment que le menu soit au milieu pour pouvoir le sélectionner. On commence une nouvelle partie. Donc, au niveau des menus, on a des modes de difficulté. On a très facile, facile, normal, difficile, mais pas le mode très difficile, crushing. Dès le début, comme sur PlayStation 3. Moi, je commence toujours en normal. On va voir si c'est sous-titré en français ou pas. Si c'est pas sous-titré en anglais. Il n'y a pas le choix des sous-titres, de la langue des sous-titres. C'est vraiment activer les sous-titres ou pas. Donc, il se peut que ce soit des sous-titres en anglais.
L'affichage est bien en français. Bah, moi, je commence en normal, je fais une tapette. Anglais sous-titré français. Ça, c'est bon. Son of a bitch, espèce d'enfoiré. C'est peut-être pour ça que je joue pas en français. R, c'est pour dégainer. Là, si je veux viser, je peux utiliser le gyroscope. La caméra donc se gère avec le stick analogique droit. X pour sauter comme d'habitude. On trouve vraiment les touches qu'on connaît déjà sur PlayStation 3. Visuellement, en tout cas, ça en jette. Les effets de lumière là qu'on peut voir sur le sol sont sublimes. Là, je peux monter. Soit on peut monter avec le stick à l'ancienne, soit on peut faire avec le tactile. Et dès qu'on touche, en fait, ça se met en surbrillance. Hop, ça va beaucoup plus vite. Le tactile, c'est quand même beaucoup plus rapide. Peut-être pas lu ce qu'il fallait. Voilà. Il faut jouer avec les deux, c'est l'essentiel. J'aime la vulgarité seulement quand c'est avec toi, Kabuto. Vous pouvez le voir, je ne suis pas nul, je suis peu bon. Ça rappellera des souvenirs à certains qui ont connu la belle époque de Game One. Hop, on touche. Une seule fois et il monte tout seul. C'est pas magique. Faut faire attention quand même. Faut pas être un noob non plus. Parce que ce que j'en suis, c'est ça que t'insinues. Il y en a un qui est là-bas. C'est d'aller le tuer en mode silencieux. Ouais. Là, pour ramasser les armes, on peut soit les toucher, soit les ramasser avec un bouton. Les deux maniabilités sont vraiment disponibles. Je sais pas comment on fait pour... C'était rond pour se planquer.
pas discrétion, on repassera. Vous pouvez constater, je ne suis pas très bon. L'amélioration qu'il y avait eu avec le 3 pour rejeter les grenades est malheureusement absente dans cet épisode. Ah bah oui. Et voilà, je suis mort. Par contre, là, le checkpoint était assez loin, je trouve. Bon, on va essayer de passer cette séquence rapidement à revenir au menu de la console. Je vais vous montrer Little Deviant pour changer un peu. Au niveau de l'action, là c'est vraiment fluide, je ressens vraiment aucun lag, aucun ralentissement. Ça, j'aime ça. Si j'étais discret, je perds en discrétion. Okay. On a un peu plus de boutons pour recharger. Non, les joysticks se prennent vraiment bien en main, j'ai pas de problème avec eux, par contre je trouve pas le bouton, c'est pour recharger. C'est une grenade. On peut vraiment jouer avec les deux là sans aucun problème, suivant ce que vous préférez. Soit en version tactile, soit en version touche. Oups. Ça recharge tout seul, mais j'aimerais bien savoir aussi comment on le recharge. Ok, donc pour recharger, il faut appuyer sur l'icône du pistolet en haut à gauche. Là, si j'appuie dessus, il se recharge. Les musiques sont vraiment bonnes aussi. On trouve la bonne ambiance des autres. Le jeu est fluide et beau, c'est un vrai régal pour les yeux. Parce que plus que 15 balles, je vais faire attention.
ensemble. Sympathique. Sympathique, le monsieur. Donc voilà. Donc ça, les deux mains bloquent les haut-parleurs, mais le son est quand même bon, il n'y a pas de problème. Je dirais que c'est sûr que ce sera plus pratique d'y jouer avec un casque. Si je le quitte. Les messages. Oh, je suis revenu au menu de base de la console. Voilà, j'ai quitté le jeu. On va aller voir l'état des liens, ce que ça donne aussi. Parce qu'Uncharted, je pense que tout le monde l'a vu et revu. C'est pas la peine. Trop en montrer non plus, c'était juste pour voir au niveau de la qualité et de la maniabilité du jeu. Total Deviant, c'est plusieurs mini-jeux qui vont une petite démonstration technique de ce que la console peut être capable en dehors des graphismes. Par le studio Big Big que Sony a fermé récemment pour malheureusement se recentrer sur des plus gros jeux. Peut-être un Killzone, qui sait. Hop là, Little Deviant. Magasin Little Deviant. Donc, je peux déjà vous annoncer qu'il y aura des DLC 2 prévus pour le jeu. Depuis quand on achète une démo? Peut-être depuis Gran Turismo Prologue. C'était une belle démo que j'ai achetée. Et le jeu dure plus longtemps quand même que certains jeux que j'avais achetés sur NES ou Super Nintendo. Il faut voir si vraiment... On va démarrer le jeu. Après, le jeu est peut-être plus qu'une démonstration aussi. Hein. C'est peut-être quand même pas mal de contenu s'il y a le nombre de jeux qui va avec et qui a une durée de vie acceptable. Regardez le nombre de personnes qui achètent des jeux sur iPhone. Ou sur Android aussi. C'est qu'il y a un marché pour ça. L'avantage, c'est qu'il était fourni avec le First Bundle Edition, donc je ne vais pas cracher dessus. Le Ridge Racer, quand même, vous allez avoir le Gold, le Pass Gold, qui va être fourni avec le jeu et qui va déjà ajouter des courses gratuitement. Donc c'est quand même assez sympathique. Ça me motiverait presque pour acheter le jeu. S'il est disponible ici, vu que j'adore Ridge Racer. L'écran de la console est quand même assez gros, très appréciable. On a la caméra qui est ici, la caméra frontale. Il devrait y avoir 3-4 jeux par mois. Et les nouveaux messages. Là, par rapport à Uncharted, lui. On a encore les fonctionnalités réseau qui fonctionnent. J'adore le design de ces bestioles. Je suis complètement fan. C'est quoi le message? Hop, je suis en plein jeu, je peux passer directement à ça. Je ne sais pas si le jeu a été fermé ou pas. Ah, c'est beau ça. Moi aussi, je t'aime, Kabuto. Là,
j'envoie des messages pendant que j'ai lancé un jeu. On va voir si le jeu est toujours lancé ou pas. C'est surtout Gravity Rush que j'attends avec impatience, qui est donc a été malheureusement. Et le jeu est toujours lancé. Ça, c'est magnifique, j'aime ça. Passer la vidéo d'intro. The Big Planet devrait, à mon avis, sortir vers le mois d'avril-mai. Le mois prochain, on a Unit 13 qui sort. Donc, à mon avis, The Big Planet au mois d'avril et Gravity Rush pour le mois de mai. C'est le premier jeu. Mode histoire. Je fais un petit retour pour vous montrer qu'il y a quand même. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mondes qui sont disponibles, et dans ce monde-là, on a déjà plusieurs niveaux. Ça promet quand même une durée de vie assez grande. Moi aussi, Gravity Rush, je comptais me l'acheter à sa sortie. Je suis assez déçu pour. D'ailleurs, qu'il ne soit pas disponible à la sortie, mais j'ai découvert qu'il y allait avoir une version asiatique qui contiendrait l'anglais. Moi, j'attends début mars pour voir vraiment l'interview des réalisateurs du jeu. Et s'il m'annonce une sortie trop tardive, je l'achèterai en import. Pour te dire, la réactivité de l'écran est aussi bonne que sur un iPhone. C'est vraiment, ça répond beaucoup mieux que sur Android. J'ai les deux, j'ai un iPhone et j'ai une tablette Sony S sur Android. Et je dois dire que la PS Vita réagit vraiment aussi bien qu'un iPhone. Donc là-dessus, je suis vraiment surpris et ravi. Parce que je trouvais que la tablette de Sony était un peu laguait un peu, je trouve. Là, c'est vraiment une bonne activité pour l'écran avant. On testera l'aliasing. Alors, ce qu'on en voit. Là, moi, j'en détecte un petit peu au niveau des ombres. Mais le jeu est quand même, c'est pas une tuerie graphique, mais il n'y a pas d'aliasing, il est propre. Il est très très propre. Donc là, pour fonctionner, en fait, il faut soulever en utilisant le touchpad derrière. Ramasser les clés. Hop. Donc là, je fais monter le niveau du niveau pour faire avancer ma petite boule, ma petite gosse. On dirait un petit peu. Hop. Là, en ayant eu la clé, ça m'a débloqué donc. Je suis désolé si on voit pas très bien, c'est pas évident. Les gens en même temps. Bonus toutes les étoiles. Hop. On a fini le niveau. Au niveau de l'arrière, oui, regardez. Là, si j'appuie pas longtemps, plus j'appuie longtemps, plus le niveau se nivelle vers le haut. C'est vraiment un système de sensibilité. Plus j'appuie fort aussi, plus il se monte haut. Je suis meilleur qu'un Uncharted, dis donc. Ah non, j'ai rien dit. Bien vous montrer d'autres sortes de jeux, mais il faut les débloquer.
à mesure. Ça demande quand même un peu de précision le jeu, mais c'est gentil et sur. Point de contact avec les ennemis. C'est pas ce qui est le plus difficile non plus là. Avec une musique assez simpliste et drôle, on s'y fait quand même vite, hein. C'est-à-dire que là, au niveau de la maniabilité, c'est quelque chose d'assez intuitif. C'est pas. Toucher le symbole, appuyer sur l'électronité pour désactiver brièvement les bolts et les portails. Ok. Ça va. On va directement aller à la porte de sortie. C'est quand même une grande première d'avoir un écran tactile avant et arrière. De pouvoir proposer les deux. C'est sûr, ça ne va pas être utilisé dans tous les jeux et mis les gros jeux. Si ça, je désactive. Je peux passer pour choper la clé. Y arriver. Par contre, je sais pas où est la sortie. Absolument. Certains demandaient si le touchpad derrière était multi-touch. Il est bien multi-touch. Là, ce jeu utilise un seul point de contrôle. Mais sinon, pour d'autres, il est un peu. FIFA, je sais plus si je l'ai vu aujourd'hui en magasin ou quoi. J'en ai vu plusieurs déjà, j'ai pas fait attention à FIFA. Oh, je suis mort. Ouais, j'ai obtenu un trophée. Même en étant mauvais. Ah, la console, faut la tester avant de la critiquer, ça c'est sûr. Parler sans avoir essayé, c'est un peu inutile. Mais certains aiment bien critiquer pour critiquer. Cabane de la baigne. Débloquer un jeu quand même. Bah, pour avoir joué là juste 5 minutes, je pourrais pas vraiment dire si ça vaut ces 30 euros. Enfin, ça, il faudrait que j'y joue assez longtemps pour voir s'il y a une véritable durée de vie ou pas. C'est surtout la durée de vie du jeu qui est intéressante. Si je passe des heures à m'amuser dessus, je pourrais te dire que oui, ça vaut ces 30 euros, mais si je m'en lasse au bout de 20 minutes, forcément, là, c'est. Pas pareil, mais c'est vraiment un jeu pour faire des parties de 5-10 minutes, pas plus. C'est pas fait pour jouer des heures et des heures. Alors, là, c'est des points de contrôle. Je dois les faire tomber en appuyant à l'arrière. Ah, j'aurais pas dû le faire tomber. Là, c'est utilise aussi le touchpad arrière d'une façon un peu différente. Arrière et avant. Suivant comment ils apparaissent, il faut leur taper dans le dos. Et pas taper
Il est gentil. Là, par exemple, il était deux à moi, donc il fallait que je tape vers l'avant, lui aussi. Ça demande pas mal de réflexes. Une sorte de tap-top version moderne et adaptée à la PS Vita. Et je pensais pas l'avoir touché. C'est des gentils, je peux pas le faire. Ça répond quand même très bien là. C'est pas un jeu qui demande beaucoup de précision. Le temps d'adaptation est très rapide. Donc, je trouve qu'au bout d'un moment, à force de jouer avec le touchpad arrière, on commence un peu à avoir mal aux mains à force de passer de l'avant à l'arrière là. Encore 25 secondes après, on va passer à autre chose. Pas tout le temps évident non plus. Ouais, 22 750. Escapeland, oui, je l'ai acheté sur la PlayStation 3. On va tester le jeu et en plus le transfert. Comment ça fonctionne le transfert PS Vita PlayStation 3? Je vous emmène. Je crois que c'est la PlayStation 3. Fermer ça. J'essaie de pas m'emmêler dans les films. Vous branchez. Je vais vous montrer ça. Installation un peu maison, hein. C'est vraiment. L'équipement non plus d'un professionnel. Alors, c'est pour cadrer ça du mieux possible. Le remote play. On va voir si le remote play fonctionne. On a un ordinateur portable.
Donc c'est la PS Vita pour l'USB de la PlayStation 3. L'affichage que j'ai. Oui, Remote Play et Escape Plane, on va pouvoir avoir les deux. Ok. Alors, désolé, je découvre en même temps que vous. Une icône lecture à distance. Donc là, bon, juste, on ne sait si c'est le champ affiché sur l'écran de la France. D'abord que j'enregistre la PS Vita avec la PS3. Je suis content si ça rend heureux des gens. Très content. Ça donne quoi? Je suis désolé de vous bouger la caméra dans tous les sens. Bien sûr, viens la chercher. Je te la donne. Remote Play Settings. Register Device. PS Vita Device. Les chiffres qui sont affichés. Ouais. Enregistrement court. C'est trop. L'enregistrement est terminé. Là, je vais vous montrer par rapport à la vitesse que ça marque. Pour que l'on j'aurai quelque chose de mieux pour la télé. Là, je vais faire connexion par réseau privé puisque je suis en local. Donc là, ça me dit merci de passer. Ça, c'est sur la PS Vita. La PS3. Donc, je vais dans le menu. Remote Play.
Ça, c'est mon thème, mais mon thème est là, c'est ça, ouais, c'est mon thème. On va attendre un petit peu, voir si ça fonctionne. Oui. C'est vous, montrez ça. Voilà sur ma PS3. Je doute que Final Fantasy XIII 2 soit disponible. Je ne peux pas lancer de jeu PlayStation 3. Impossible de lancer des démos, impossible de lancer des jeux PlayStation 3. Les jeux PSP. Ça, c'est les jeux PlayStation 1. Non, les jeux PlayStation 3, donc comme Final Fantasy XIII 2, ne fonctionnent pas pour le moment. Ce qui est fort dommage, évidemment. Mais les jeux PlayStation 1, eux, fonctionnent. Donc là, je suis actuellement en train de jouer. J'ai lancé Final Fantasy VII, qui est installé sur ma PlayStation 3, à partir de la PlayStation Vita. Donc pour Sony, ce qu'ils ont annoncé concernant le Remote Play PS3, ils ont annoncé quelques jeux comme Killzone 3, Little Big Planet 2, des choses comme ça. Mais à mon avis, ça va se faire via mise à jour tranquillement. Pour le moment, ils sont sur les jeux PSP pour qu'ils soient compatibles. Ensuite, c'est les jeux PlayStation 1 et après, ce sera les jeux PlayStation 3. Et à mon avis, c'est pour pas que les éditeurs prennent peur et puis que les gens achètent juste le jeu sur PS3 et plus sur PS Vita. On ne peut pas utiliser le stick analogique, on ne peut pas utiliser l'écran tactile, juste pour aller dans les menus. Là, ça c'est... Ça, c'est pour c'était la manette, paramétrer la manette. Là. Quit game. Hop, on va quitter le jeu. Donc, on peut lancer des jeux PlayStation 1 à partir de la PS Vita. C'est la seule façon de faire parce que on peut pas encore les lancer. En acheter sur le store et les transférer là-dessus. Au niveau de la fluidité, bon, je suis en réseau local, c'est quand même assez fluide. Je n'ai pas de problème là-dessus. On voit qu'il y a un léger décalage, mais c'est très très léger. C'est rien de. De très critique au niveau du lag. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est transférer l'escape de la PS3 vers la PS Vita.
intéressant, c'est la PS Vita. On a gestionné des contenus sur la Vita. Là, il nous demande soit de copier du contenu PS3, PS Vita, ça c'est ce que je vais faire. Application. Escape Plane, il le trouve tout de suite. Je n'ai même pas eu à aller sur la PS3 faire quoi que ce soit. Copier. Oui. Donc là, c'est pas. C'est même pas copier d'ailleurs. D'ailleurs, c'est déplacer qu'il aurait dû écrire parce que là, ce qu'il vient de dire, c'est que le contenu va être supprimé de ma PS3. Là, la copie du jeu est en cours entre la PS3 et la PS Vita. Et c'est ça. Regardez les questions s'il y en a. Petite information d'ailleurs qu'il y a eu récemment, c'est-à-dire que pour le partage de sauvegarde sur un même jeu, par exemple Ruine qui a changé de nom, pas besoin d'être abonné au PlayStation Plus. On va pouvoir partager sa sauvegarde sans être abonné au PlayStation Plus. Ce qui est plutôt sympa et assez normal. Est-ce que je vais devoir le retélécharger? Non, en fait, je l'ai téléchargé sur PS3 Escape Plane, et là, j'ai coché l'option pour transférer de la PS3 vers la PS Vita. Donc là, le fichier se met sur la PS Vita. Et là, après, je vais certainement devoir l'installer dessus. Je vais voir si c'est préinstallé ou si je vais devoir l'installer moi-même. C'est toujours en cours. Gravity Rush se vend bien au Japon, c'est bien ça. Très bien. Oui, il est aussi possible de faire ça à partir d'un ordinateur, PC ou Mac. D'ailleurs, la mise à jour a eu lieu. Pour ça, il faut le Content Manager. Je vais pouvoir vous le montrer. Je l'ai installé tout à l'heure. C'est un logiciel qui se télécharge sur le site de Sony. Voilà, avec le gestionnaire de contenu, il suffit de que je connecte la PS Vita au PC pour. C'est le live dans le live. Oh! C'est comme Inception. On se voit. Dans le premier ou dans le deuxième rêve? Ah, la copie est terminée. Oui. Je la voyais à distance, mais il y avait une barre de défilement ici qui montrait où c'en était.
espace libre sur ma carte mémoire de 4 gigs, 4 gigas. J'ai déjà j'ai plus que 2,9 gigas de libre. Ça, c'est juste avec Escape Plane qui était mis dessus, qui fait 800 MO. Là, je vais vous montrer Escape Plane. Ça me tortille dans tous les sens. Donc là, si je le fais comme ça, je vais me faire mal à dos. Désolé pour la caméra. Un peu dans tous les sens. Encore une fois. Bon, non, non, vous voyez rien, c'est normal. Il fait 800 mecs de ce que j'ai vu. C'est peut-être un peu trop proche. Ça a l'air d'être bon. Ça, c'est un jeu de contenu. Escape Plane, donc, s'est installé directement sur la console. Ça fait pratiquement 2 heures. La batterie là de plus quand même pas mal. Santa Monica. Non, on ne peut pas y jouer sur la PlayStation 3 au jeu PlayStation Vita. On peut jouer uniquement sur PlayStation Vita. Le jeu est en français. Parce que la console est en français. Ça sert uniquement pour commencer à télécharger le jeu comme j'ai fait tout à l'heure. Avant d'attendre. Se le transférer après. Pour ceux qui ne connaissent pas Escape Plane, c'est un jeu de puzzle en noir et blanc. Un mix de Limbo et version Tim Burton. Donc il se contrôle apparemment avec le front tactile. Il est très mignon. Comment ça? Je vais vous envoyer sa vie pour le faire avec lui. Donc là, ça se contrôle vraiment avec le tactile. Donc là, c'est un minimum de gestes qu'il faut réussir. Plus on tape sur l'écran, plus on fait ça. Je touche ça, c'est bien. L'écran arrière, ça va nous prendre. On voit que c'est du multitouch à l'arrière. On va trop loin, on s'écrase.
j'appuie un seul bouton, je fais avancer ça. Il y a un peu dépassé le petit bonhomme. Quand il marche pas, c'est que c'est le temps d'adaptation, voir exactement comment fonctionne le jeu. Quelqu'un qui connaît la porte. Je vous mets deux petites minutes. Donc je vais devoir malheureusement vous laisser. Merci à tous, bonne soirée.